Coucou les scrapinettes, je voulais partager avec vous une astuce tag. Donc ce n'est pas une astuce que j'ai inventée, j'ai vu ça un jour sur une vidéo il y a quelque temps déjà et je l'utilise régulièrement, mais je ne me souviens plus de la personne chez qui je l'ai vue. Donc si par le plus grand des hasards elle passait par là ou si quelqu'un qui passe par là la connaît, laissez-moi un petit com et bien sûr je nommerai cette personne. Alors, comment faire un tag sans se prendre la tête, sans calculer, sans règles, sans rien? Vous avez votre petit papier sur lequel vous voulez faire votre tag. Vous prenez le petit ciseau qui va bien, le cutter, le massicot, ce que vous voulez, et vous coupez. On y va. Crac. Donc, vous avez ceci. Vous avez ceci. Le petit morceau là, vous le prenez, vous le mettez décor contre décor, comme ceci. Excusez-moi, je tourne parce que je serai plus à l'aise. Vous prenez votre petit crayon, un trait de crayon. Si vous êtes bien agile, paf, direct le ciseau. Vous prenez votre ciseau, vous coupez bien le long du trait. Et voilà, vous avez votre tag fait en deux, trois mouvements. Deux temps, deux, trois mouvements. Oui, c'est comme ça qu'on dit, deux temps, deux, trois mouvements. Et voilà, un petit tag sympa, régulier. Il ne reste plus qu'à faire le trou, ancrer, arrondir, voilà, ça vous savez faire, il n'y a pas de souci. On pourrait même aller plus loin. On prend son petit ciseau, on a envie d'un tag qui ne ressemble à aucun autre. Eh bien, allez, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire ça, ça, et ça. Voilà, eh bien, qu'est-ce que je fais? Mon petit morceau. Endroit contre endroit, hop, je le porte, je le mets bien l'angle dans l'angle. Mon petit crayon, mon beau petit crayon de Mumu qui va bien. Hop, je reprends mon ciseau. Et on y va. Voilà, un petit coup de gomme. On enlève le coup de crayon. Et vous voilà, avec un tag unique, sans matrice, sans matrice de découpe, sans calcul, sans règle, sans vous prendre la tête. Ah, elle est pas belle la vie. Et ben moi je trouve qu'elle est très belle la vie. Donc voilà. C'était ma petite astuce du jour. Donc là, je fais des tags pour un album tag que je réalise pour un échange sur le groupe d'Alba, les Sisters Scrap sur Facebook. Voilà, c'est un album en forme de tag. Donc bon, je ne vous en montre pas plus puisque ma copinette ne l'a pas reçu puisque je le finis. Donc voilà, bah écoutez les filles, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici ça va, moi je suis au bord de la mer, alors forcément il y a toujours un peu d'air, on est bien. La vie est belle, scrapez bien. À plus, à très bientôt et merci d'être passé par là.